Bonjour monsieur. Oh. You are not French. No, I'm Italian. Italian, okay. You are Italian too? Si. Okay. C'est ma daughter. My daughter. Je ne parle pas italien. Vous parlez français ou English? Oui. Oui, vous parlez français? English. Okay. Okay. En fait, je viens de vous croiser et en fait, j'ai vu. C'est votre fille? Oui. Ok. Et je vous trouve super charmante. Merci. Ah, vous parlez bien français? Oui, j'habite ici. Ah, tu habites ici. D'accord. Moi, j'habite en Italie. D'accord, vous habitez où? Savona. Savona, c'est Genova. Genova, ok. Je... okay c'est... Vous avez besoin de ma fille? Juste une minute, ouais, pour vous dire que ouais, vous êtes vraiment super charmante, vous avez l'air sympa. Et votre père, il a l'air super merci. Cool aussi. Merci, monsieur. Moi, c'est Fred. Et... Oui. Federico. Et... Federico, Ramona. Ramona, ok. Oui. Enchanté. Alors, j'adore. Fred, ou plutôt dans cette interaction, Federico. Eh bien, voilà, il a déjà rencontré les parents de la nana. Ou du moins son père, ce qui en Italie, c'est beaucoup, rencontrer le papa. Et là, il fait preuve d'une belle énergie en arrivant. Il n'est pas parfaitement fluide, et je dirais presque que ça en rajoute à son charme. Il est très attachant, on sent que c'est pas un gros pro de la drague qui fait ça tout le temps, on sent qu'il vit là un moment exceptionnel, et donc cette femme peut être flattée par sa démarche. Il a fait preuve d'une parfaite clarté d'intention, puisqu'il s'est pas caché Fred derrière un prétexte, il a expliqué au père qu'il allait juste prendre l'attention de sa fille pendant une minute, il a expliqué pourquoi, parce qu'il la trouve complètement charmante. C'est un moment de... On dirait presque si c'était mieux filmé que ça pourrait être issu d'une scène hollywoodienne. On regarde la suite. Je sais que ça se fait pas du coup, mais ça me ferait plaisir qu'on se revoie. Oui, bien sûr. Ouais. Ok, t'as quoi, t'as Facebook ou... Ouais, je peux prendre ton Facebook. Oui.